Bonjour tous les amis, j'espère que vous êtes partout en bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Grand Cross. Et aujourd'hui, showcase du GOAT du Escanor. Le vrai Escanor, l'originel, hein, le plus BG. Désolé pour les fans de The One, mais bon, clairement, je trouve que celui-là a plus de flow. Encore, c'est même pas son meilleur skin en vrai. Même le skin de base, pour le coup, il est vraiment très très bien. Et nous allons faire la relique d'Escanor. Qui pour le coup est honnêtement une. Enfin, pour Escanor est une bonne relique. Qui va lui donner déjà pas mal de stats et qui fait que 50% de sa def va être ajoutée à son attaque. Donc pour le coup, vraiment une relique pas mal. Donc ça va évidemment comboter avec si vous avez amélioré tous les skins et tout. Et en plus, Escanor c'est un perso qui a quand même beaucoup de CC. Donc c'est très intéressant. Et bah écoutez, on équipe pas. Hop. Hop. On va bien évidemment lui mettre. Oh, et il y aura évidemment un showcase du Escanor vert qui aura lieu. On va. Qu'est-ce qu'on va mettre? On garde ce skin là? Oh, il est pas mal. Bon, on va garder ce skin là. Alors, on est parti. 60 500 CC, sachant qu'on est en attaque dégâts crit. Ça va. Honnêtement, il mériterait un attaque def. Hein, je vais pas vous mentir. Mais... Si jamais, par miracle, avec ses 57% de chance crit, il mettait un crit. Ce serait une dingue. Bon, est-ce que ça va arriver? Je suis pas sûr. Mais si jamais ça arrivait. Venez sur Twitch, c'est bien mieux que votre réseau de pauvres. Alors, pauvre, je sais pas, mais. En tout cas, n'hésitez pas à passer sur les lives. Bah écoutez, let's go. Let's go. Moi, je pense que. Escanor avec la fameuse team buff à 350 likes, je attaque def SK ou pas? Ouais, mettez 350 likes et je le ferai. Est-ce que j'ai un stuff attaque def Escanor? Ah, pour le coup ça aurait été pas mal parce que du coup la def lui donnait. Oh, j'ai de la chatte sur les cartes, let's go. Ok. On n'a pas le choix. Il faut tester. Ok Sigurd, voyons voir ce que tu donnes. Oh Sigurd, 150 000. Oh, en vrai 164 000, Sigurd 150 000. Solide. Solide. Non, solide. Non, pas mal. Pas mal du tout. On a un spell pour enlever l'aspect. Ok, ok, ok. Si vous savez pas, Nanashi, donc c'est les buffs que j'ai en plus sur ma gueule là. C'est quand tu as deux cartes ou moins. Tu as le buff de Nanashi. Donc pour vous c'est pas mal. Shurimichibiku. Ah oui, il rush l'aspect Marga. Bah écoutez, on a un counter pour ça. On a un counter. C'est déjà qu'il a fait une AOE, du coup il a perdu sa spé. Parce qu'il joue contre Nanashi. Et comme personne ne connaît Nanashi, personne ne s'attend à se prendre ça, hein, bien évidemment. Attends, on va faire ça. Hop. Et ça. Je l'ai ciblé, hein, on est d'accord. Ouais, je l'ai ciblé, c'est bon. Bon, Mono, écoutez, petite dinguerie. On a hésité entre mettre Arthur et Mono. Je pense que les deux sont drôles. Bon, Arthur, évidemment, c'est avec la relique, hein, sinon ça marche pas, mais... Mais Mono, elle a quand même un potentiel de dégâts qui fait que la team est peut-être un peu plus viable que Arthur, quoi. Par contre, pour les chiffres, Arthur fait peut-être un peu mieux, effectivement. Je pense qu'on testera les deux, sachant qu'en plus, Arthur, il buff du coup attaque. Ah, quoi que je crois que c'est quand t'arrives au début du combat, donc ça marche pas. C'est-à-dire, buffer la défense en game, ça aurait pu être drôle, mais je crois que ça marche pas. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est l'attaque, c'est quand t'arrives au début. C'est pas genre si tu gagnes de l'attaque durant le match, enfin, de plus en plus. Ouais, c'est au début du combat, ça marchera pas, dommage. Ok. En vrai, on va garder. On va faire ça. On va faire ça. On va garder là-haut quand même. Allez, Mono. Allez, on change de musique. Ça marche. Ah, mais Mono est. Ah, excuse-nous. Pas de repasse du début là. C'est que cette musique qui commence au milieu là. Bah écoutez, c'est une victoire. Déjà, bien évidemment, une première victoire. Est-ce que c'est grâce à Escanor? Bonne question. Bonne question.
T'as dit Showcase Scanner et pas mono. Il a fait un bon spell, après j'ai eu 1000 spells mono. Voilà. Il y a eu des choses qui sont passées, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Je vais allumer la lumière. Voilà. Alors. 273 000, très bien. Valentigozor vert. Oh, attends. C'est un vrai joueur et il joue Dodge, non, c'est ça? J'ai l'impression. Ok. Bah écoutez, son tu go. Non, on fait ça, non? En vrai, le mieux, ce serait le spell mono, mais. On va tenter ça. Ok. Ok. 100 000. Respectable. Honnêtement, respectable. C'était un vrai joueur. Du coup, qu'est-ce qu'il joue? Ah, il joue peut-être résistance. Pour ça, Valenti. Pour le coup, bah écoutez, on a eu l'animation de victoire des scanners. Que demande le peuple? J'ai envie de dire que demande le peuple. Hop, les. Le peuple demande de la lumière. Mais ça fera la fin. Je me fais OCC, c'est donc la mort, c'est ça. La miniature récupérée. Après, je pense que les têtes des scanners qui gagnent, je pense que j'en ai en stock, mais je dois pouvoir en retrouver. Ça, je le dérange. Bon, j'ai éteint mille rouges sur je sais plus qui, sur Sigurd, je crois. Donc, bon. Au moins, on a désactivé son King. On va du coup. On va faire ça. Oh, il a Elisabeth, on cache jamais son shield en fait. On cache jamais rien. C'est terrible. C'est terrible. On cache absolument rien sur Elisabeth. Très bien. Ouais, scanner, si vous savez pas le passif du scanner rouge, c'est qu'il a 50% de stat d'HP au début. Supplémentaire. Bon, là, il est désactivé, le King, donc je pense qu'il devrait pas non plus faire des dégâts de fou. Mais... En plus, avec Nanashi, du coup, qui buff encore plus ses stats d'HP. Bon, là, du coup, on va pas avoir les buffs. Pour Sim. Ok. Bah, écoutez. Allons-y. On va faire ça. Ça et ça. Ok, le revive qui part. Ok. Correct. Correct. Eligod qui est là juste pour être loup, hein, bien évidemment. Que notre intérêt. Il ne vient pas de me taper deux fois. Ah, mais il arrive. Il va me soulever parce que je l'ai tué. Du coup, il est plus désactivé. Non, mais qui est. Ça c'est vraiment de la merde. Ah, je me suis fait ouvrir ma mère. Ah, vu que je l'ai tué, il était plus désactivé. C'est vrai que ça enlève les debuffs. Putain, Eligod, quel perso quoi. J'aurais dû le laisser à un HP, je sais pas. Et le tuer deux fois en un tour. Quoi. C'est terrible. C'est terrible. Ah, j'ai pas pensé à ça. Bon après, est-ce que on peut parler du fait qu'il a droppé laisse-moi réfléchir. Donc il avait ses deux spells de King tour 1, tour 2 il en a redroppé 2, tour 3 il en a droppé 3 puisqu'il en. Attends, 3 parce qu'il avait un niveau 2 qui est passé niveau 3. Ok, ok, ok. Ça marche. Le mec qui a droppé full sur King. Encore lui. On va se venger. C'est la vengeance. On n'a jamais joué contre lui, c'est la première game. Mais sachez qu'on va se venger. Avec sa vieille team. Mmh.
Pourquoi il fait les deux spells par là? Je comprends pas trop. Hein. Ah oui, bon, excuse-moi. Excuse-moi quoi. Ok. On va go Elisabeth, non? Le truc c'est que Elisabeth elle prend moins que King quoi. King il prend plus. C'est étonnant mais. Ok. Après normalement sur les crits Elisabeth elle les prend normalement plus ou moins tous, alors que King lui il a un peu plus de résistance quoi. Il a mis un crit de scanner depuis le début. Je suis pas sûr. Bon là il est disable donc ça devrait aller. Heureusement hein. Heureusement. Quelle honte. Quelle honte ce perso. Ok. Ok on va faire ça. Ça. Bon mais je peux gagner même. Genre, humainement, c'est possible, genre. Il est mort. Hein. Le truc, c'est que là, s'il a encore droppé des Spell King, ça va être chaud, quoi. Attaquer avec SK. Ah, peut-être qu'il va crit dessus, effectivement. Oh, il va shield. Oh, il va shield et stun. Oh. Non, stun pas. Non, stun pas scanner. Ok. Ah, oh, il a pas l'aspé. Ok, ça va. Ok, ça va. Ok. On va faire ça. On va essayer de casser le shield déjà. Nice. Ah bon, ça devrait tuer. Ok, 140 000 solide. Bon, mono elle est full stack normalement. On aurait de bien. Ok. Et redonnez-moi un niveau 3 là. Oh oui. Oh oui, le niveau 3. Oh le niveau 3. Oh le niveau 3. Oh, escanner rouge qui tue The One, ça c'est une belle vue, ça. C'est une belle vision. Ça. Non, meurs pas, meurs pas, meurs pas. T'as un mail rouge qui est là pour carry, hein, bien évidemment. Non! J'ai mon spell, j'ai mon ulti, non? Bon, j'ai mon ulti, mais ça casse les couilles. Non, mes buffs! Mes buffs! Bordel! Allez, on va lui faire payer. Embêtant. On va faire ça. Ah mais je peux pas. Je voulais donner l'animation de Victoire et Scanner mais. Ah bon c'est bon, excuse-moi. Oh, je l'ai surestimé tellement. Oh, j'ai tellement surestimé. Ok, tout va bien, c'est bon, y'a pas besoin. Hein. Y'a aucun problème. Ouais, on n'est pas à donner l'animation là, y a rien à donner. Non mais ça suffit. En plus j'ai pas le buff de Nanashi donc elle perd pas sa SP. Hein. Nanashi il carré bien hein, parce que pour le coup ils auraient eu sa SP 192 fois hein, sinon depuis tout à l'heure. Hein. Uch. Bon mono, elle fait le travail, elle accomplit les tâches qu'on lui... Non mais non! Il a abandonné! Et enfin, je sais qu'Escanor est trop fort, mais quand même... Bon allez, voilà, on va passer sur Arthur. On va mettre Arthur cette fois à la place. On va voir si c'est mieux. Oh! Nous avons mis de la défense au lieu d'attaque et dégâts crit, on a mis attaque def là sur Escanor, donc il a chopé 1000 quelque chose de... Non, presque 2000 de def, un peu moins.
J'ai chopé presque 1000 d'attaque en plus, donc 30 000 d'attaque, tour 1. Alors, c'est qui le patron? Regardez ça, hein. On le buff encore. Et là, on tue Kyo parce que sinon ça va être cringe. Ok, 107 000. Oh le... Oh, c'est pas mal. En vrai, je m'attendais à moi. En vrai, c'est pas mal. Non, j'ai pas un spell escalator. Non, pas ce spell-là. Le spell d'Arthur, il est maudit. T'es sûr de le dropper 190 fois par tour? Non, en plus, il me focus mon Arthur. Non, rien ne va. Oh, il est mort. Bon, moi, ça va me débarrasser des spells nuls. Mais... Oh, il est pas mort? Oh, si, là, où je suis. Oh, il est très très mort. Il est complètement mort. Écoutez, j'ai encore un tour et après j'ai plus de buff, hein, donc il va être temps. Il va falloir faire des choses. Genre, on va faire ça. Ah, quand même, dans tous les cas. Ouais. Allez, tue-le. Tu l'as, eh? Oh oui, 150 000? Oh oui? Mais Sigurd! Mais Sigurd! Sigurd! Mais quel crack! What the fuck, Sigurd? Qui l'aurait cru? Qui aurait cru en toi? Oh my no Santa Kuda. Ok, ok, contre toute attente. Hein. Là tu tues Meli. Et là bon. Là tu tues Meli. Ouais. Vas-y. Allez, Sigurd, on croit tous en toi. Uch. Voilà. Sigurd, mais quel crack. T'as pas mon compte, Maxence? Tu dois l'avoir quelque part, c'est même que le compte LOL. Non, je te l'entends. Ok. Niveau 1. Ok, niveau 3. Giant of Fire. 100 000. Relativement respectable. Je sais pas ce qu'il lui a fait. Nanashi, je sais pas ce qu'il a fait, mais. Il lui fait payer, hein, en tout cas. Ok, vous êtes prêts? Ah, mais Escanor. Eh ben, impressionnant. Est-ce que c'était un avantage type? Absolument. Est-ce que c'est impressionnant? Oh ouais, c'est pas mal. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et moi, je vous dis à la revoyure.